7. Mais, 7, qu'est-ce que tu attends? Nos 6 compagnons de voyage sont déjà prêts. Je suis désolé, 8, j'ai fait tomber ma fiole. Je suis plus sûr de vouloir le faire. Mais voyons, ce monde est condamné. Il nous faut faire un avec l'infini. C'est la seule issue. Mais j'ai entendu des bruits dehors. Il reste peut-être des gens à sauver. Tu délires, Seth. Je peux t'aider à te libérer si tu n'en as pas la force, tu sais. Monsieur Infini! Oui? Je finissais de m'occuper du départ. Mais ce cher Seth a besoin d'aide, je crois. D'ailleurs, où allez-vous? Vous êtes le capitaine de notre vaisseau cosmique, voyons. Nous ne pouvons pas partir sans vous. Je m'en allais dehors, pour observer les cieux. Il me faut préparer ce voyage ambitieux. C'est trop risqué. Sortir, c'est risquer l'intoxication. Nous sommes à l'abri ici, grâce à vos barrières paramagnétiques. Il est vrai, mon ami. Nous sommes bien à l'abri. Je reconnais ici mon bras droit aguerri. Rassurez Seth dans sa foi. Je vais chercher nos 3 doses. Je t'ai bien foutu de notre gueule, Infini. Genre, c'est nous guider, tu m'as trahi. Mais ferme là, tu vois pas la merde dans laquelle tu nous as foutu, là. On va pas prendre ta dose. Mais t'es tout ce que t'as à dire, là. Ils sont tous morts. C'est toi le danger. Pas ce putain d'air toxique, là. Je comprends que tu sois fâché, mais c'est pas le moment, là. Faut qu'on parte tout de suite. Ouais. C'est vrai que le numéro 8 devrait pas tarder. Il faut qu'on trouve un moyen de s'échapper. Tu ne penses quand même pas abandonner nos camarades, Seth? Et vous le laissez parler. Vous l'écoutez sans rien dire. Monsieur Infini, je n'étais pas rendu compte que ces transferts cosmiques vous avaient autant affaibli. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas. Je suis là maintenant. Je vais m'occuper de vous et de votre départ. Votre dévotion, mon cher 8, est sans égale. Mais je pense cependant... Viens-nous, ça fait classe ! J'aimerais bien. Malheureusement, notre liquide salvateur a été perdu. Mais ne bougez pas, je vais en faire. Il me reste un peu de mon bras. Ah bah bravo la tentative d'évasion. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le numéro 4 était brillant. Il aurait su quoi faire, lui. Comment il a pu se faire avoir? C'est prêt. Je reviens.